Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo invocation sur le jeu Dragon Ball Legends ou avec le nouveau portail qui vient de débarquer sur le jeu à la suite de l'énigme de Dragon Ball Legends qui est apparu hier. Voilà, on avait fait pas mal de théories, on avait parlé que le Vegeta avec le fameux numéro 1 et l'auréole, hein, je vous avais dit pour moi c'est une auréole, on pourrait avoir un Vegeta qui avoue à Goku que c'est le numéro 1, comme dans l'arc-bout. Ça a été chose faite. Après j'avais parlé de Muten Roshi pour la fameuse légende de la tortue avec le carré magique, les chiffres 15, etc. Et au final c'est Kid Buu. Alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et Kid Buu, LF en plus, légende d'arrêt finish, tant qu'à faire. Autant plonger la tête la première, tu vois, ça commence à faire vraiment beaucoup de legendary finish en très peu de temps sur le jeu. Kid Buu, c'est très bien, le maître LF, c'est très bien, mais pas aussi rapidement. Là, on a enchaîné trop de legendary finish. En soi, tu ne m'aurais pas sorti le Mirai Gohan LF, et là, tu m'aurais mis Kid Buu, la pilule passerait un peu mieux, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué, et je vois pas vraiment le rapport de Kid Buu avec l'énigme d'hier, quoi. Il n'y a pas eu de rose. On aurait eu la couleur rose. Je veux bien, donc je pense que l'énigme d'hier n'est pas terminée les amis. Je pense qu'elle n'est pas terminée, le chiffre 1 qui était entouré d'une auréole de l'au-delà, hein, je vous l'avais dit, ça pouvait être le Vegeta. Et en soi, c'est bien le Vegeta. Après on parlait un peu de garlic, tout ça. Moi, je reste persuadé que pour les 1000 jours, la célébration ne devrait pas tarder. Logiquement, c'est le 24 février. On n'oublie pas que sur le carré magique, tu as les chiffres de 1 à 9, et 9 jours après, ça tombait pour le 24 février. Est-ce que arrivé aux 9 jours, on aura un Muten Roshi? Je reste persuadé que pour moi, le carré magique et tout, la légende de la tortue avec l'empereur Yu, je reste persuadé qu'on va pas tarder à avoir un Muten Roshi. Après, c'est que mon avis, on verra, parce que là, franchement, le Kid Buu, je ne voyais pas du tout arriver. D'habitude, on a des énigmes qui sont plutôt cohérentes. Là, pour le coup, à part le Vegeta, bah le reste, le carré magique, tout ça, je vois pas vraiment ce que ça vient faire là. On verra bien. Juste avant ça, on va partir voir la carte de Kid Buu parce qu'elle est affolante. C'est affolante. C'est un délire. Le personnage, c'est un délire. Le main tire la carte d'art ultime blaster destructeur au tour suivant. Régène la force de 40%, donc c'est les points de vie, la force, je le rappelle, et le ki de 30. C'est les arts physiques de l'ennemi. Donc en gros, ton adversaire ne peut pas attaquer en strike. Les arts scellés sont inutilisables pendant 5 secondes. Annule les bonus de stats de l'adversaire. Condition d'utilisation après 25 secondes. Est-ce que vous imaginez déjà, le main, il est incroyable. Mais alors, ce qui est encore plus incroyable, la cape unique malveillance hors de contrôle. On va lire. La vérité, mettez des lunettes. Augmente de 25% les dégâts infligés contre les classes Saiyan ou classes Regen. Annulation impossible. Les effets suivants s'activent au début du combat. Donc au début du combat, t'as Kid Buu, regardez bien. Augmente de 90% les dégâts infligés et annulation impossible. Réduit de 30% les dégâts subis. Annulation impossible. Immunise contre les altérations d'état pendant 60 secondes. Les effets suivants s'activent toutes les 4 secondes. Après que vous soyez rentré sur le terrain, régène le ki de 30, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 20% des dégâts subis pendant 15 secondes. C'est très fort. Non mais la vérité, c'est très 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 fort. Tu t'imagines déjà, début du combat, tu tapes à 90% supplémentaire, ça augmente les dégâts de 90%, mais c'est incroyable. Il y a le Migaté, il y a le Majin Vegeta, c'est un portail qui est plutôt pas mal. Par contre, si vous êtes free to play, les amis, n'allez pas invoquer sur le portail. Vraiment, n'allez pas invoquer sur le portail. Gardez vos cristaux. C'est vraiment un portail pour cash player. Surtout qu'en termes de contenu, c'est encore le vide. Hein, pour aller farmer les cristaux, tout ça, ils te mettent un portail comme ça. Mais t'as pas de cristaux à aller chercher. On verra bien la semaine prochaine. Moi, franchement, la vérité, là je l'ai un peu amer. La vérité, je l'ai un peu amer. Tu sors un gros portail comme ça, faut qu'il y ait quelque chose qui va avec pour aller farmer les cristaux. Bref, c'est comme ça, on verra bien ce que l'avenir nous réserve sur le jeu. En tout cas, les gars, on est parti. Let's go. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, on est là pour le Kid Buu et également le Vegeta. Principalement le Kid Buu LF, forcément. Hein, on verra bien ce que ça va donner. On est dans l'espace, 5 capsules. On est dans l'espace, 5 capsules. Ok, ça se neutralise. Glisser rouge, SSJ. Est-ce qu'on va bien commencer là? Est-ce qu'on va bien commencer? Yes! Sparkling dès la première.
Yes, c'est ça qui est bien. Ça, c'est bon, ça, les gars. Sparking dès la première. Ok. Let's go. Le Vegeta Hero. Ça va être qui, le Sparking? Ça va être qui? Boo Super en EX. Ok. Tontepo. Ok. Allez, attention. Allez, attention, attention, attention. Non. Non, en vérité, j'ai les 14 étoiles. Ah, j'ai les 14 étoiles, le Cell Transfo. J'ai les 14 étoiles, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Dis-moi, il y en a un autre. Dis-moi, il y en a un autre. Oh, la rage, purée, j'ai les 14 étoiles. J'ai les 14 étoiles. Donc, attention, les gars, je vous le dis, hein, là, les cristaux que je suis en train d'utiliser, ce sont des cristaux gratuits que j'ai farmé, tout ça, avec également le top 10K PVP. Donc, voilà. Pour l'instant, ça sort pas de ma poche. Mais là, la vérité, le Cell Transfo, c'est pas très, très bon. Allez, let's go. 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti. Et les pouces bleus, comme d'habitude, les amis, sur cette vidéo. Hein. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, en mode Gun Kidama. Alors, ça, par contre, ça, c'est bien. SSJ Blue Kintoon, ça, c'est bien. Ok. Ok, il se fait des boîtes axes. Ok. On n'oublie pas, on a du Miga TLF, on a du Majin Vegeta LF, on a du Goku SSJ 3 type vert LF. Ok, Sparkling. Donc là, c'est deux Sparkling au minimum, dont détecteur, parce qu'il y a le Kintoon. Ok. Freezer, celui qui vient de passer Zenkai. D'accord. Il y a quoi d'autre? En plus, je crois qu'il est détecteur, lui. J'ai un peu le seum, là. On va voir, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Ok. Hero encore. Ok, Goku Hero. Frost, ok. Liex, c'est qui? Ouais, non. Allez, deuxième. Vados, ça c'est bien, ça je prends. Vados, impeccable. Tant qu'elle n'est pas 14 étoiles, les frères, on prend Vados, on prend. Ok, très bien. Bon, Vados, ça va. Cette multi, ça va, c'est pas trop trop mal. Le Freezer, voilà, mais je n'ai pas Zenkai, donc pour l'instant, pas forcément besoin. La Vados, elle est combien d'étoiles? Ouais, elle est 7 étoiles, donc au prochain doublon, on pourra passer à 8 étoiles. Ok, bah les gars, on va continuer le tour de ce step-up. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, les amis, surtout, n'invoquez pas si vous êtes free-to-play. Clairement, si vous êtes free-to-play, n'invoquez pas. Ok, 3 capsules. C'est compliqué, parce qu'on n'oublie pas hein, le taux de drop, j'ai oublié de vous le montrer, mais le taux de drop pour choper un Kid Buu LF, 0,5% de chance d'en avoir un, et les autres LF, 0,25%. Voilà, n'allez pas gaspiller vos cristaux bêtement, gardez-les, les 3 ans arrivent, la célébration des 1000 jours également arrive. Voilà, prenez le temps. Là, par contre, là, c'est pas terrible du tout. Là, c'est pas terrible du tout, là. À moins qu'il y ait un fake out, un petit switch, Mr. Saturn Hero, ok, pourquoi pas. Cell Junior, c'est 0, clairement 0. Ok, EX. Ok, le Krillin. Celle-là, je pense que... elle va pas être terrible. La vérité, je pense que celle-là va pas être terrible. Comment te dire? Tiens, Muten Roshi, bah, ça tomberait... enfin, ça tombe bien. Faudrait que tu viennes en Sparkling, frérot. LF, pourquoi pas, tu vois, mais... Sparkling. Ok, très bien. Celle-là, elle est claquée. Bon, on accepte. À condition, maintenant, d'avoir de la chance sur le reste. 3, 2, 1... Yeah! Et bien évidemment, dans la journée, on ira en live invocation sur la... oh, t'as au PayPay, Sparking garantie. En live sur la chaîne YouTube, mais également sur la chaîne Twitch, les amis. Le lien est dans la description de cette vidéo. On va faire deux lives invocation à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch pour que tout le monde soit comblé. Voilà, et pour qu'on aille rigoler ensemble, bien évidemment. C'est le but et c'est le principal. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch également si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ok, c'est pas le bon bout. Bon, Buzenkai, on prend quand même. Hein. On prend, on va pas cracher dessus. Par contre, dis-moi qu'il y en a un deuxième. Dis-moi qu'il y en a un deuxième. Dis-moi qu'on peut encore avoir un deuxième Sparking là-dedans. Dis-moi qu'il y en a encore un deuxième. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Guldo, ok. Zamatsu, très bien. Tenshin Han, ok. Lee Shenron, bon, c'est compliqué, ça va être juste le Majin Buu, quoi. Le Majin Buu Zenkai, ok. Par contre, il monte en étoile, lui. Hein. Ah, lui, il monte en étoile, donc c'est vraiment très très bien, c'est une bonne chose. Du coup, ok, 12 étoiles, très très bien. Ok, ça monte en étoile, c'est cool. Par contre, j'ai pas de Kid Buu LF. Et j'ai pas le Vegeta. J'aimerais bien Kid Buu ou Vegeta, ou les deux, tu vois. Allez, 3, 2, 1.
Yeah. Allez, c'est parti, les frérots. Allez, allez, on y croit. Allez, on y croit. Fais-nous plaisir, le jeu. Oh, trois capsules. Oh là 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 là. C'est compliqué. Trois capsules, la vérité, c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué. Franchement, très compliqué. Y a rien qui va. Rien ne va plus sur le jeu. Les gars, rien ne va plus sur le jeu. Y a pas vraiment ce qu'on demande, y a pas le contenu pour farmer les cristaux, pour aller invoquer. Les persos, on te sort des LF à tirer la... Rien ne va plus. La vérité, rien ne va plus. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe là sur le jeu. Là, ça va être du héros. Ok. Franchement, les gars, l'énigme d'hier... Mais le carré magique et ses petites boules, il n'y avait pas de couleur rose, il n'y avait pas de... Je comprends pas. Je ne comprends pas. La vérité éclatée, la multi là, elle est vraiment éclataxe. Hein. On va pas se le cacher, elle est vraiment rincée. Ok, très bien. Je crois que j'ai encore le palier numéro 6. Palier numéro 6, les gars. Et on prend les tickets. 3, 2, 1. Il y est ! Allez ! Allez, le jeu, s'il te plaît. Allez, le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Kintone, ça c'est pas mal. Yes, ça c'est bien. Allez, pour le dernier palier de cette vidéo, on donne tout. Et on n'oublie pas, live YouTube dans la journée, mais également live Twitch pour les invocations. Yes, au moins on aura déjà le Vegeta Kakaroto number one. Yes, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y en a un autre? On prend. Bon, déjà, on a une des deux nouvelles unités. C'est ça, 100 mètres d'argent. Et ça, c'est bien. C'est déjà bien. 100 mètres d'argent avec les cristaux gratuits, ça fait plaisir. Mais bon, j'aurais préféré quand même Kid Buu. Mais on prend. On prend le Vegeta quand il avoue à Goku que c'est le numéro 1. Passage emblématique, les amis, dans le manga. Incroyable. C'est incroyable. Vegeta, voilà, qui a avoué la supériorité de Goku dans Dragon Ball Z, ça fait plaisir. Ok, bon, au moins, on aura le Vegeta. Ça fait vraiment plaisir. Voilà les amis, pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous follow à la chaîne Twitch et activer la cloche sur la chaîne YouTube également. On va se retrouver en live YouTube, mais également en live Twitch. J'espère vraiment que vous allez avoir du lourd vous aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de Kid Buu, LF, etc. C'est très fort sur papier, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de le sortir tout de suite? J'en suis pas sûr. Sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!